Et bonsoir. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la suite de Dungeons, Dragons and Space Shuttles. Jour 95 il me semble. Bon, je peux vérifier tout de suite. Yes, jour 95. Alors aujourd'hui on va avancer sur beaucoup de choses. On va faire plein de quêtes et on va lancer de nouvelles dimensions. Pour pouvoir farmer les singularités qui nous manquent. Merci Torion pour l'année d'abonnement niveau 3. 12 mois. Bonsoir Mel, bonsoir le chat, j'ai réussi mon défi de 1 an en full tier 3. Merci beaucoup, en tout cas c'est vraiment super gentil. Et je compte bien le continuer encore longtemps. Passez tous une bonne soirée. Et merci au grand barbu pour ces streams de qualité. Merci beaucoup Torion, c'est vraiment super gentil. Tier 3 c'est énorme, donc merci beaucoup. Merci Paticon également pour les 20 bits de tout à l'heure. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors il y a un petit changement sur... alors je le précise maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui aiment réagir aux personnes qui parlent en SMS dans le chat. Qui aiment leur dire non, tu parles pas en SMS, blablabla. J'ai prévenu mes modérateurs. À partir d'aujourd'hui, je dis pas que j'autorise, je dis que je tolère le SMS. Je le tolère, c'est plus... Il n'y a plus de TO et de ban, on va dire, s'il y a du SMS. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que le chat soit lisible. Je veux que le chat soit lisible. Donc en gros, si quelqu'un arrive et il écrit en SMS par réflexe, parce qu'il écrit en SMS partout, il sera pas ban, il sera pas TO. Mais il sera ignoré par contre, parce que j'aimerais qu'on écrive correctement. Voilà. La petite parenthèse à faire comme ça. Yes, Ambria. Moi, j'ai envoyé un message sur le Discord, justement... concernant ça. Coucou Baka. Un équilibre en SMS et en bien écrit. Même pas. Le SMS je continue d'ignorer parce que c'est toujours illisible. Mais je veux dire qu'à partir de maintenant ce ne sera plus Théo en fin de compte. Ce sera plus t'écris un SMS, allez hop, on te fout au feu quoi. C'est en mode, ok, bah tu vas être dans ton coin et puis jusqu'à ce que tu écrives correctement, on pourra te parler. Clic. Bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour vous, j'ai farmé les dimlets. Yes. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai réussi à avoir les dernières dimlets qui me manquaient. Donc il y avait la tin, la silver et même la quartz. J'ai réussi à trouver la quartz. Le truc, c'est que... Il y avait, je sais plus, je crois que c'était hier. Ouais, c'était hier. J'étais en voc... Attends, hier ? Ouais, c'était hier matin, juste avant que je branche mon nouveau frigo. Parce que j'ai eu mon nouveau frigo hier matin. Et j'ai passé 3 heures à farmer les dimlets. Et dans les dimlets, j'ai... alors, j'avais trouvé le Pillar Quartz. Alors, le Nether Quartz, or, c'est celui qu'on va utiliser. Et voilà, le Block of Quartz, 0. En 3 heures, j'ai trouvé que ça. Et je me suis dit, oulala, le thym et le silver, on va galérer à les avoir parce qu'en 3 heures, je les ai pas trouvés. Merci Zerio pour ton 5e mois d'abonnement. Pour mon anniversaire, je m'offre un abonnement. Eh bien, bon anniversaire Zerio et merci pour ton abonnement, c'est gentil. Arbria, je l'ai mis hier sur le stream, la photo du frigo. Je sais même pas si je l'ai encore sur le PC. Je peux vous la montrer vite fait. Allez, vite fait, bien fait, je vous montre le nouveau frigo comme ça. Ah, ici, il est déjà sur le... Ok, il est déjà sur le PC. Je le retrouve. Il est là. Alors, c'est une image un peu de traviole. Clac. Clac, clac. Et on va faire transformation 90 degrés. Voilà, c'est mon nouveau frigo. Comme ça, vous êtes au courant. Je peux mettre plein de choses dedans. Donc ce que je disais, je l'enlève hein, parce que ça arrive de rester ça au milieu. Ce que je disais c'est que j'ai passé 3 heures et j'ai trouvé que cette dimlette là. Et je me suis dit, on va se faire chier à trouver les deux dernières dimlettes, vraiment. Et là, dans la soirée, j'ai commencé à chercher à partir de 19h. Et à même pas 20h, j'avais trouvé la thym et la silver. Donc j'ai trouvé les deux dernières.
Et du coup, toute la glowstone que j'ai sur moi, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant, je vais garder la glowstone de toutes les maisons que j'ai visitées. J'ai visité tout ça comme maison pour trouver mes trois dernières dimlettes. Tu peux mettre plein de choses dessus aussi, apparemment, oui. Mais à mon avis, il n'y aura pas grand chose dessus, hein. Donc, yep, on va pouvoir faire ces trois dimensions-là. C'est les trois dernières qui nous manquent. J'avais récupéré... Ouais, j'avais récupéré encore des blocs off machin qui ne sert à rien. Et j'ai fait de la déco aussi. Je vais vous montrer. Parce que du coup, après 20h, j'ai fait un peu de déco. Là-haut. Une petite lumière ici. Et là, il n'y a plus de torches. Maintenant, il y a des lumières. Ok. Donc, il n'y a plus aucune torche ici. Et derrière aussi, la déco est terminée. Derrière, il n'y a plus de torche ni rien. Faut juste encore que je refasse un peu le fond ici. Mais sinon, tout est clean. Ouais, je suis à la fin du mode pack. Ouais. On va arriver à la fin du mode pack en tout cas. Coucou, j'aurais dit Parodi. Nice, l'imprimante 3D qui termine. 779 maisons. Ah, j'ai pas compté, mais je sais que j'avais fait un peu plus de 500 maisons pour trouver que la dimlette de quartz. Hein. Pour vous dire à quel point c'était débile. Hein. Par contre, j'en ai que deux, il va m'en falloir un de plus. Bon, allez, faisons les dimensions. Ah oui, aussi une chose. Ça là. Quand je me suis connecté cet après-midi là. Zéro d'énergie. Il n'y avait plus rien. Il était vide. Du coup, au niveau des singularités, vu que j'ai eu toutes les singularités nécessaires, donc les deux stacks ici et le stack là, j'ai tout coupé, ce qui fait qu'on consomme plus d'énergie. Hein, mais siphonner le truc, plus rien. Ça dégage ça. Salut Gary, salut Aaron. Alors, il va falloir de ça. Du coup, on va installer les trois dernières dimensions. On va installer les quarries pour récupérer les blocs. Et ensuite, on va faire des quêtes. On va faire des quêtes. Du coup, il va nous falloir bah, ces trois-là. Là. Ceux-là, je ne vais plus en avoir besoin. Donc, j'avais le bloc of quartz 4, bloc of quartz 3, quartz or et quartz bloc 2. Ça va être flat et non, c'est d'abord la dimlette. Donc on fait d'abord celle de teint. Donc teint, bloc, store, nice. Ok, on va faire silver. Store, nice. Et enfin la dernière, ce sera quartz. Quartz. Yes. Nice. Coucou Anosma, j'espère que ça va mieux du coup. Sinon ça va ti, il y a des hauts des bas. Je suis plus dans le bas en ce moment mais ça va. Et sinon ouais, le frigo il marche super bien et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Ok, il va nous falloir 3 sets d'Ender Chest, les 3 builders, les cartes. Je vais pas avoir assez de place. Si j'ai pas assez de place, peut-être que je dégage ça en fait. Celle-ci, c'était la dimension flat, donc on peut la dégager, ça ne sert plus à rien. 8. Et c'est bon. Alors pour les Ender Chest, il va nous falloir silver, donc on va prendre du light blue. Silver et du thym, donc on va prendre du grey, light grey. Merci Zenq pour les 100 bits. Parce que je vais pas pouvoir être là pour ce live, la bise. Merci Zenq en tout cas et bah à la prochaine. À la prochaine. Si si, j'avais un frigo, mais il commence à rendre l'âme. Le frigo que j'avais avant, il était bleu. Ok, ça c'est fait. Et du coup quartz. Il va rester blanc.
froid approche à grand pas. Comment ça le froid? Merci Roi Lucky pour le 14e mois d'abonnement Prime. Merci à toi. Ah oui, les compresseurs, il m'en faut deux autres. Ça, j'ai pas pensé à lui redemander. J'en avais demandé un. Ok, on va lui redemander un autre. Ah, l'hiver. Oui. Mais tant mieux, je préfère les temps froids que les temps chauds. Les temps chauds, ça m'en fout. On va faire le quartz ici. Quartz. Ouf. On a un peu de temps. Quartz. Il faut que je renomme ton câble à toi là. Quartz. Pipi, allez, pipi, pipi. Et c'est celui-ci, le quartz 5, qu'on va devoir installer. Tu tiens mieux avec le chaud que le froid? Aïe aïe aïe, je sais pas comment tu fais. Oh, la Blood Moon is Rising, mince. Oh, la musique elle est en mode pépère là. Alors, c'est parti. Quartz. Quartz bloc. Tiel. J'espère qu'il fait beau de l'autre côté. Salut Ribble, ça va et toi? Ça va. Quartz. Ah, et puis c'est le vrai quartz bloc. Le plaisir. Alors, Quantum, dans le coin, out. Builder, levier, ça, et enfin, l'under chest au-dessus, boum. La carte, peut-être mieux avec la carte, non? Boum. Nice. On va se faire un TP ici, à new quartz, commit. On rentre à la base. D'habitude, c'est pour ça que le froid, je tremble comme une feuille. Ah, moi c'est pareil, hein. Le froid, ça me fait trembler. Hein. Le froid, le pire, c'est quand je vais dans ma voiture. Enfin, là, ma voiture, elle est dans un parking, donc ça va. Mais ma voiture, avant, elle était dehors. Et quand je rentrais dans ma voiture, alors qu'il faisait froid, je pouvais pas m'arrêter de trembler. Mais j'ai vraiment toujours préféré le froid, en vrai. Hein. Et merci Thorion pour avoir offert 3 subs. Ah non, 10 subs. Attends, j'en ai que 3 qui s'affichent, c'est quoi ce délire? Pourquoi il n'y a que 3 subs qui s'affichent alors que t'as offert 10 subs? Bah je vais remercier Tommy Lift, enfin, bienvenue à Tommy Lift, Zetai et Darren. Et Thorion, merci pour les 10 subs. Et je sais pas pourquoi il ça. Je vois bien marqué que t'en as donné 10. Hein. Je sais pas. Attends, fais voir sur mon Discord qu'est-ce que ça dit. Parce que je vois les retours normalement. Ouais, je vois toujours que 3 affichés. Peut-être que ça va s'afficher après. Oui, c'était écrit en haut qu'il en a offert 10. Oui, ouais, totalement. Alors, dans la poubelle, nous allons blacklister ça. On va faire une extraction rapide. Et ici, on va faire une insertion de ce bloc-là. Comment on va faire ça, proprement? Je vais faire ça. Ok. Tac. Pour qu'il évite de mettre n'importe quoi dedans, en fin de compte. Hein. Priorité 1. Ok. Et extraction, please. Alors ça marche. J'ai peut-être pas mis vers le haut. Ouais, j'ai pas mis vers le haut. Hop. Voilà, avec le hop, ça devrait être bon. Yes. Donc on a le quartz qui se fait gentiment. On attendra d'avoir une singularité pour la mettre là-dedans. Ici, on va s'occuper du thym. On va pouvoir mettre celui-là. Ok. Thym.
Oh, j'ai un petit cadeau à côté de mon pseudo. Ouais, c'est parce que t'as offert des subs. Par contre, c'est marrant que tu as le cadeau en argent alors que tu as donné le même nombre de subs que Pixie. On devrait avoir la même couleur normalement. En plus, je ferai ces 10 subs pour mes 1 an. Ouais, je sais pas pourquoi là ça a planté. Bon, si ça se trouve, t'en as vraiment offert 10. Hein. Mais moi, j'en vois que 3 en fait d'affichés. Mais je vois que je vois marqué 10 abonnements offerts. En tout cas, sur le panel de Twitch, je vois marqué 10 abonnements offerts. Donc c'est passé. Salut Dragonfly. Ce soir, on termine de faire les dimensions. J'ai récupéré les dimlettes nécessaires hors stream. Tant bien que mal. Ok, lui il va avoir besoin d'un peu plus d'énergie. Hein. Et ensuite on va faire des quêtes. D'ailleurs tu l'as fait le compresseur? Oui. On va essayer de claquer quelques quêtes pour avancer sur le pack. Ça c'est non. Et là du coup tu tiens le coup, absolument. Donc on va prendre Tin bloc, dial. On arrive à l'endgame, ouais. Oui, ça a dû être passé, Thorian. Oh là là, du Tin à perte de vue. Nice. On sort le clé. Donc le Tin, on avait dit qu'on utiliserait le bleu ciel là. Paf, paf. Carte. Boum, boum. Et boum. Nice. Add new Tin Cupt. Je ne sais pas, HM. C'est clair, Velvet. Quand j'aurai l'upgrade, tout sera à l'infini. Tout sera à l'infini. Du coup, il faut que je configure ça. Que je balance mon under chest là. Voilà. Et salut, Yaknak. J'ai pas pris de bloc pour faire la blacklist. Ok, donc on va mettre ça en blacklist, bam, on va faire une insertion vers le haut avec ça ici, donc on va récupérer celui-là pour faire l'insertion sur le Tin, boum, boum, nice, et on extrait. Normalement c'est bon. Ah bah Kaku. Coucou. Ah il me prend le LED. Ça c'est le genre de truc, tu vois, c'est non. Je vais devoir le reposer. Je l'ai renommé lui, ouais Tin. Je vais pas me téléporter, merci. Il faut qu'on lui mette une whitelist. Hein. Insertion, bah block of Tin. MBT match. Ça se trouve il est en train de me prendre n'importe quel bloc. Parce qu'il me prend le LED là. Hein. Voilà. Donc c'est à peu près les mêmes blocs. Bon, il a fait chier. Là c'est good. Le Tin on le récupère, tout va bien. Il ne reste plus que la dernière dimension à faire qui sera Silver. Ça, hein. Ouais. Boom. Et on attend sagement. Ça,
Chacun son ML. Un seul, ça suffit. Hein. Rip l'énergie. Ouais, l'énergie, quand je me suis connecté cet après-midi, j'en avais plus. Du coup, j'ai coupé toutes les dimensions qui ont terminé. Mais là, ouais, là, l'énergie va être repompée. Hein. Mais normalement, ça va le faire. Hein. J'ai énormément d'énergie en stock, donc ça le fait. Au niveau des quêtes, il me reste un petit peu à faire. Pas tant. Il me reste des quêtes tier 5 à faire. Il va me rester de la cuisine. Peut-être qu'on fera de la cuisine. Ou alors on fera magie. Et Black Magic. Peut-être qu'on fera la magie. On s'embêtera à faire ça, je pense. Donc là, il va lui falloir... ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mais par précaution, je vais quand même lui donner ça. Hein ? C'est jamais. Comme ça, je suis sûr qu'il a pas de problème. Donc, Silver. Tiens. C'est parti. C'est Pixie. Ouf. Ok, nice. Il y a de la saloperie. Ça va pas plus bas, ça ? Non, ça va pas plus bas. Ok. Oh là là, quelle horreur ici. Quelle horreur. Alors, boum. Boum. Boum, boum, boum. Toi, l'énergie, il m'en faut. Mmh. La carte, et claque. Du silver, on en a. Je produis uniquement avec un panneau solaire. Un panneau solaire qui me génère plusieurs, enfin plus d'un million de RF par tick. Je sais plus combien exactement, mais on va mettre ça derrière. Ok. Et on va trier ça. Donc je vais lui dire de faire une insertion vers le haut de ça uniquement. Donc là, il a dû me récupérer des saloperies. Ouais. On enlève et on repose. Dirty Azileta fell out of the world. Très bien. Il faut ici faire ça. Là, faire extraction. Et là, faire extraction. Et là, normalement, on récupère le silver. Silver, thym et quartz. Nice. On va les laisser bosser. Et maintenant, on va s'attaquer aux quêtes qui nous restent à faire. Ça, je vais pouvoir l'enlever aussi. Zerio, j'ai trouvé toutes les singularités nécessaires. Hors stream. J'ai trouvé les deux derniers en moins d'une heure. Et j'ai trouvé celle de quartz, la quartz qu'il me fallait, en 3 heures. Nice. Donc au niveau des quêtes, on a dit qu'on ferait la magie. Donc on va faire ces saloperies. Donc là, ça va être du craft et du craft. C'est le nice. Donc il va nous falloir du white magic. J'en ai un, il va me falloir, donc je vais reprendre les sels. White Magic, clac. Et on a rien là-dedans. Ouais. Très bien. Donc 3 Living Wood Twig. Ah. Mm-hmm. Illumination Powder, Enough Air. Ça. Bonsoir cher stop. Je sais pas si on va arriver jusqu'au centième. Hein. On verra. Hein. Je sais que ce soir on aura clairement pas toutes les singularités. Donc à mon avis lundi on les aura. Parce que ça prend pas tant de temps que ça à les farmer les singularités. J'en ai demandé que deux, j'aurais peut-être lui en demander un peu plus. C'est pas grave, faut qu'on les attende de toute façon.
Normalement, lundi, on les aura les dernières singularités pour avoir nos Infinity Catalyst. Enfin, pour avoir nos Infinity Catalyst. Il y a ça qu'il va falloir qu'on recrafte, ça c'est pas trop long. Ça c'est plutôt easy, hein. Mais ce qui va être long, ça va être ça. Parce qu'il va falloir qu'on farme d'autres sources pour avoir tout ça. Normalement, c'est assez rapide, hein, mais. On a quand même ça à faire, quoi. Et ça, j'aimerais le mettre dans l'autocraft, comme ça j'ai même pas besoin d'y toucher, quoi. Alors le Living Rock, c'est quand il veut. Merci. J'en demande plein, comme ça j'en aurai pour plus tard. Plume et ancien dust. Boom. Clac, clac et clac. Je vous souhaite bonne soirée. Je vais passer en mode viewer de l'ombre. Ça marche, nous deux. Salut, je passe dire bonjour. J'ai commencé à regarder toutes les rediffs. Nice, Lei, Arca, Sama. Bonne rediff à toi. Bon courage pour rattraper parce qu'il y a quand même beaucoup de rediffs. On claimera tout ça après. L'Upper Hook. Ouh, quelle saloperie ça. Wetter. Il est où mon bucket? Je vois plus. Et oh là, il est là. Je vois rien. Seed. Donc il va nous falloir une of air. Grey pétale. Ok. Voilà. Rune of air. Hopper. Un chest prudentium. Ok, chest. Je me souviens encore du début de ce mode pack quand même. La galère qu'on avait à tout faire. Et une fois que t'as applied, ça va tellement plus vite, quoi. Hop là. Donc là, il n'y a plus qu'à tout jeter là-dedans. Et ça, upper hook, terminé. Et l'upper hook, ça fonctionne comme un hopper. Et pour, on peut faire des filtres avec des item frames, ça, c'est plutôt pas mal. Bonsoir Fred Team. Et bonsoir MLG Fan. On fait les quêtes actuellement. Puisqu'on a toutes les dimensions qui sont en train de tourner dans le fond. Rosa Arcana, ok. Et ça, ça se fait là-dedans. Et je l'ai déjà noté là, ok. Donc il va nous falloir un petit peu plus de White Magic. Hein. J'ai oublié le nom, celle. Incroyable. Okay. On dira, j'ai directement. Oh. Ici, je voulais cliquer. Je vais directement prendre un tank plutôt que BSL. Tout BSL, ça ira plus vite. Et j'en avais pas justement. Non, ok. Bam. Salut le foucheur. Donc, 3 blaze rod. Run of fire. Du Living Rock. Je vais tout prendre. Parce que j'en aurai besoin pour l'autre wand. Illumination. On va leur demander pas mal aussi, comme ça on sera tranquille. Exactement, Fred Team. On arrive à la fin du mode pack là. Là, je suis en train de claquer les quêtes. Vu qu'on est en train de faire tourner les dimensions derrière. Ok. Blast Powder, Ancien Dust. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir passer à un autre pack derrière. Ah, ça va être bien ça. Rune of Fire.
sais pas comment on va faire pour le prochain pack. Si on met plus de stream dans la semaine. Au détriment d'Olicube ou pas. On verra. Voidstone. Il en faut deux. Pink Pétal. Oh là. Non, ça va. Tac, tac. Pink Pétal. Purple Pétal. Non, toc, toc. Ah, je sais que tu vas refaire un mode pack hardcore. Je sais pas. Je vais pas faire un mode pack non plus pour les petits pipis, mais je vais essayer de trouver un mode pack en fin de compte qui change d'habitude. Alors soit je vais partir sur un mode pack avec une nouvelle version de Minecraft, soit je vais prendre un pack 1.12 parce que c'est les meilleurs en ce moment, avec quelque chose d'intéressant. On verra. Et merci Creepy Creeper pour le 21e mois d'abonnement. Koukoumel, comment vas-tu? Salut à toi. Ça va et toi? Ah bah oui, bah il est où mon dernier message? Ah bah je sais pas, je le vois pas en tout cas. Prochain mode pack, je regarderai toujours quand j'ai terminé. Enfin, je regarde les prochains mode pack en fin de compte. Quand je termine celui que je suis en train de faire. Je regarde jamais avant. Et pourquoi je regarde jamais avant? Parce que si là tout de suite maintenant je regarde un nouveau mode pack, paf, il y en a un qui va m'intéresser, je vais faire ah, je veux faire celui-là. Et ça se trouve, au moment où je vais terminer ce mode pack, il y en aura un autre qui sera arrivé qui sera encore plus intéressant. Alors que je vous aurais dit, ah non, je veux faire ce mode pack là. Et là, bam, je fais un stream sur un autre mode pack. Vous allez faire, mais pourquoi il fait ce mode pack? Donc, c'est toujours la surprise en règle générale, les nouveaux mode packs. Merci Miscellany pour les 12 mois. Un an que mon argent finance la barbe. Merci Miscellany. J'espère que tu portes des chaussons aujourd'hui. Pour éviter de te faire mal aux pieds. Hop là, Rosa Arcana. Là ça nous fait plusieurs quêtes. Ah bah ça on l'a déjà fait hein. Là on va le refaire. Pour la quête. J'ai pas envie d'aller chercher les autres. Quoique les autres. Non, les autres sont sur des îles. Hein, quoi qu'attends, fais voir comment sont les autres. Non, j'ai pas envie de tenter parce que j'ai peur qu'il me, qu'il me ramasse ma fleur en fait. Je vais la refaire. Rune of Mana, Rune of Fire. Pas de mode pack à quête au-dessus de la 1.12 de si. C'est si t'en as. Mais c'est pas des quêtes comme avec le bouquin en fait. C'est des quêtes avec ça. Parce que tu vois, sur ce pack, tu as énormément de quêtes aussi à faire là-dedans. Mais c'est des quêtes, c'est les advancements si tu veux. Donc si on veut vraiment faire traîner le truc, on... Ah ok, j'ai terminé les achievements, ok bah il va me rester tout ça à faire quoi. Si je veux vraiment faire le truc à 500% quoi. Et sur les nouveaux modpacks, en tout cas, tu as ce système là maintenant pour faire des quêtes. J'aime pas trop. Parce que j'aime bien quand c'est vraiment séparé. Par rapport à ce qu'il y a de Vanilla, mais bon après c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qui me fait le jeu? Red Petal, White Petal, et enfin Intermedium. Ouais, je préfère le bouquin de quête aussi. Hein. Je préfère. Ah, personne fait les advancements sur la 1.12.2 parce que justement tu as... Tu as le livre de quête. Après, je vous dis que j'ai pas d'idée de mode pack. C'est faux. J'ai une idée. Mais je vais pas vous le dire parce que je sais pas si je vais le faire. Allez. Ok, ça, le mana splitter. Nice craft dégueulasse. Mana steel. Marine.
Et il veut des casting Chanel. Ça, c'est très pratique pour split le mana sur 4 mana pool. Mais bon, quand t'as des... Comment, quand t'as les sparks, bon. Moins grand intérêt. Regarde ça, il veut que j'aille faire du Terra Steel, il est mignon. On les a vraiment squeezés les quêtes. Hein. Inferium cool. Lava Stone. Je crois... Ah, je sais même pas si j'en avais déjà un mana splitter pour être honnête. J'ai pas fait gaffe. Possible. Je sais plus comment je vais installer mon système là-bas. Rune of Fire. Fire. Sud. Water. Nice. Je disais mine de rien, un mode pack avec juste Botania, ça permet d'automatiser entièrement le Vanilla, même plus loin qu'Applied. Ouais, Botania permet de faire des trucs assez incroyables. Hein. On néglige totalement tout ce que Botania peut faire. Hein. Ok. Et bah ça, je vais aller le chercher. Ah non, je crois que je l'ai recrafté. Ouais, je crois que j'ai un. Absolument, je me suis servi pour ça, donc il faut refaire ce truc là. Ok. Ok, ok. Lapis. Pouf. Mana Steel. 3. Terrestrial. Void Stone. La rune off. Il va me falloir la air. La earth. La water. La fire. Et la mana. Tu veux faire le fou l'avaricia comme Warren. Qui est Warren? Je suis en train de négocier avec mes parents pour qu'ils prennent un compte Amazon Prime pour que je puisse me subprime à ta chaîne. Merci beaucoup, c'est très gentil Célia. Force pas trop les parents non plus. Hein. Il faut que tu la joues fino, tu fais ouais mais avec Amazon Prime et tout, on peut avoir des séries super bien sur, sur Prime Video, on peut avoir des films et tout. En plus on est livré très rapidement si on commande sur Amazon. Faut pas que le Twitch Prime ça fasse. Faut pas que ce soit ça qui soit vendeur quoi. Parce que sinon bon. Ok, Terra Steel. Ça devrait le faire. Ok, cette partie là est terminée. On va s'occuper de ces saloperies maintenant. Et pour ça, il va falloir aller dans la Twilight Forest. C'est 3-8. Oui, plus. Quel temps de chiotte. On consomme ici de l'énergie? Non. Donc c'est cette wand qu'il faut faire. Il va nous falloir du purple. Hein. Stardust. Ils connaissent même pas Twitch. Quand je leur dis que je vais regarder ton live, je leur dis que je vais voir une émission de web TV. Ah bah voilà. Une marbled. J'en avais pas. 1, 2, 3. Il me faut une petite wand pour activer ça. Et
Ouais, t'es beaucoup occupé, Miss parce que tu taffes, c'est ça? J'ai commandé une fois un jeu en livraison rapide sur Amazon, pas Prime, donc en payant. Bah, j'ai eu mon colis plus tard que quand je prenais une livraison normale. La belle arnaque. La belle arnaque, on aime bien. Enfin, on aime bien. Non, on n'aime pas. Pouf, pouf, pouf. Diamant Stardust. J'achète sur ma chaire de 12 heures. Et j'avais repris le boulot cette semaine, mais mon contrat s'est arrêté aujourd'hui. Ah. Ah. Du coup, tu rebosses à fond sur ta charte. Nice. Du coup, Celestial Gateway. Alors, ce truc-là est vraiment génial. On s'en est jamais servi. Mais il est vraiment pas mal. Parce que ça vous permet d'avoir des points de TP interdimension. Et c'est plutôt chouette. Merci Chris pour les 8 bits. Bonsoir, je viens seulement de rentrer de l'enterrement de mon papa, désolé pour le retard. Ne t'excuse pas pour ton retard à cause de ça. Incroyable. T'as pas à t'excuser, j'espère que au niveau du moral ça va. Et t'étais pas obligé d'envoyer des bits non plus. Stargate. Luminescence. Quel mode pack je te conseillerais? Ragnamode 5, il est bien. Il y a un livre de quête qui est très complet. Qui te permet d'avancer tranquillement sur le mode pack. On va essayer de penser à autre chose pour ce soir. Très bien. Merci en tout cas pour les 7 bits en plus. Et merci Kazremid pour ton 5e mois d'abonnement Prime. Merci à toi. Elle fait plus de 120 000 notes. T'imagines un gars qui fait un sans faute? Alors voilà, là ça va être la partie de rigolade parce qu'il faut qu'on se retape les tables en fait. Cette table, on n'a pas besoin de se la refaire parce que j'aurais juste à la casser et la reprendre. Mais il va falloir qu'on fasse les autres tables. Donc, normalement, Astral. Voilà, j'avais cette table-là que j'ai dû refaire. Il va nous falloir du Fractum. Après avoir crafté cette table-là, on ira regarder les singularités, voir où ça en est. Rinof Manor. À toutes les quêtes en FR, vous les aurez jamais. On m'a tellement gonflé. C'est quand le FR, c'est quand le FR, c'est quand le FR, que ça m'a tellement gonflé que j'ai dit stop, fuck you. Il n'y aura jamais de FR. Point. Voilà ce qui s'est passé. Du coup, je me concentre sur d'autres projets que perdre mon temps là-dessus. Merci Kemset pour ton 28e mois d'abonnement Prime. Merci beaucoup. Les gens sont pas patients. Et pour le coup, moi non plus. Merci Mikarik pour le 14e mois niveau 3. Merci beaucoup Mikarik, c'est très gentil. Niveau 3 quoi. Incroyable. Merci beaucoup Mikarik. Alphago, il arrivera sans problème. Ouais, mais c'est pas des hommes, c'est des machines. Et Voidstone. Alors, est-ce que j'ai tout? Absolument. Qu'est-ce qui me manque? Du Starlight. J'irai le chercher là-haut, le Starlight. Tiens, et tiens. On reprend ça.
since I was building Lego as a child. Got my workbench good to go, my sticks and planks. Mon serveur est toujours prévu, parce que je travaille dessus en ce moment. J'ai travaillé un peu dessus hier. Modifier quelques crafts. Donc ça avance gentiment. Plus du chat, les boîtes c'est méchant, il faut les attaquer. Jette toutes tes boîtes. Ok, tac. Ok. Nice. On a toutes les singularités. On peut enlever ça. Oh là là, le plaisir. Plus qu'à attendre qu'il y en ait plein. Merci Nora. J'essaie de faire en sorte que ce soit assez organisé. Et GG pour les 2 minutes de démo de lui. Du coup, vous avez 2 minutes pour spammer les émotes comme jamais. Vous êtes autorisé. Shifting star, il va falloir faire une shifting star. Il va falloir faire. Alors ça je peux aller le récupérer. Ça je peux aller le récupérer. Ok, on va aller chercher ça déjà. Bon bah je reviens. Ah bah très bien. Donc faut que je récupère ça. Très bien. Faut que je récupère ça. Merci. Tu veux combien de relais? 4. Est-ce que j'en ai? J'en ai 2. Je vais prendre celui-là. Et celui-là. Ok. Portal to Alfheim. Eh ben. Attuned Rock Crystal. Oh, il est chiant. J'en ai pas de ça, il va falloir qu'on en refasse une. Très bien. On va faire la Shifting Star en attendant. Parce qu'il faut en fin de compte que l'étoile ici s'allume. Bon, j'avais laissé du Starlight ici, donc. Ok. On enlève ça. Donc la Shifting Star va me demander un Liquid Starlight Bucket. Très bien, j'en ai en rab. Marble. Marble. 1, 2, 3, 4. Ok. Illumination. Aquamarine 4. Et Stardust 2. Ok, Shifting Star, on l'a récupéré. En bas, ce sera toujours pas bindé. Hein. Ah, ils sont chiants. C'est un peu chiant. On va faire ça. Okay. On est en détail de toute façon. Il faudrait qu'on aille dans le Overworld pour mettre la nuit. Ah oui, craft impossible. Ah, ils l'ont enlevé, hein. Ils l'ont enlevé depuis. Ok, Offender. Gold String. Boom. Je repense à ça pour les fans de One Piece, je sais pas si vous êtes au courant pour Eiichiro Oda. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est stylé. Nice. Merde, on s'en connaît, hein. Enfin, Sealing. Sealing.
très bien. Oui, ils sont fatigués à HL. Bah malheureusement, ouais, PO3 maintenant, il a pris cher malheureusement, à cause des modes dégagés. Ah, j'en ai pas de ça, ok. Ouh, c'est un craft un peu dégueulasse, ça. Du coup, il est en repos. Illumination Powder. Fait de 3 semaines car il n'arrive plus à suivre les sorties de chapitres. Ouais, à un moment, faut qu'il se repose. Hein. Bah, c'est très bien parce que moi, ça fait un moment que j'ai pas repris One Piece. Qu'est-ce qu'il m'envoie, Miss Annie, comme connerie? Très bien, Miss Annie, il s'est protégé les pieds. Ça va. King Sack. Sont beaux mes chaussons, absolument. Les miens, c'est plus des chaussons de grand-père d'ailleurs. Manastyle. Non mais que 4 heures par nuit, mais. Ah ouais, bah ouais, Marie. En même temps. Block of Call. S'il te plaît. Ok, du coup il va nous en falloir 3. Glass, Lens. 3, Lens. Et Stardust, hein, ouais. Boum. Ok, ça on enlève. Donc là, ce qui va me manquer, ça va être la thune de cristal. C'est chiant parce que j'en ai pas. Donc là, c'est le sunset. Il faut qu'on trouve cette constellation. Hein. Donc on va essayer de retourner dans l'overworld et chercher cette constellation. T'en as dans la table? Non. Ah, quoique. Quoique. Tu dis peut-être vrai. Si. C'est vrai que j'en avais un. Peut-être là. Voilà. Bien vu. Merci, Warza. Bonsoir, MLDEG. Comment vas-tu ce soir? Salut, Valcuso. Ça va et toi? Merci pour les 500 bits. Non, c'est pas la constellation la plus rare. La plus rare, c'est la Horologium. 3 heures après, moi aussi, je kiffe One Piece. Mais qui n'aime pas One Piece? Qui? D'ailleurs... Alors, je dois pas les avoir sur moi, là. Et boum pour le sublift de @Torion84. Merci, Po. La thèse champion, merci à toi. Sur un de mes disques durs, j'ai tous les épisodes de One Piece d'ailleurs. Du premier jusqu'à celui. Alors, pas forcément les derniers qui sont sortis récemment parce que j'ai arrêté de regarder One Piece à cause de mes problèmes perso. Mais faudrait que je m'y remette. Du coup, je vais devoir récupérer ça, mon pote. Ça me compte. Mais faudrait que je m'y remette. Faudrait que je m'y remette. Parce que ça me manque en vrai. C'est bon? C'est bon. Putain.
Ah, la vie, je vous jure. La Wand. Bah alors, allume-le-moi. Ok, non, mais ça, c'est zéro, monsieur. Ça, c'est une... ça faut arrêter de faire ça. Voilà. J'aime pas One Piece, ne bougez pas dans le feu s'il vous plaît. Il y a peu de personnes qui n'aiment pas One Piece. En tout cas dans ma communauté, parce que les gens savent que j'aime One Piece. Ouais, Equivalent Sky est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Non, enlever les pylônes, ça coupe pas le portail. Par contre, si tu mets un item dedans, ça coupe le portail instant. Ok. Elven Mana Spreader. Bonjour toi. On avait tout fait, hein. On avait tout fait. Sans se soucier des quêtes. Ma wand, je l'ai rangée dans Applied ou quoi? Ouais, absolument. Ok. Ensuite, il veut quoi? Il veut ces pylônes là. Très bien, on y va, on va les chercher. C'est Monsieur Arcane. Ça va et toi? On va enlever ça maintenant. Ok. Et B. Ça, cette table-là, je pourrais la récupérer. Oh, il faut que je tue le Gaïa. Bon, bah, c'est parti, hein. Merci SoxV pour l'abonnement Prime, bienvenue à toi. On va laisser faire la machine. La musique elle est bien. Ouais, je me souviens de la première fois que j'ai lu un premier chapitre de One Piece. C'était au début de mon lycée. C'était... Oh, je me fais vieux en fait. C'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans que j'ai eu le premier chapitre. Enfin, mon premier chapitre One Piece. Voilà, calme-toi. Quête terminée. Maintenant, il veut les Gaïa Mana Spreader. Je dois en avoir de ça. Ici. Très bien. On va reprendre la wand. On va le repointer là. Ça, c'est fait. Alors, cette table, je vais pouvoir la récupérer. Et la reposer. Peut-être remettre la musique, d'ailleurs. Les cingues, on a toutes les dimensions, sont en train de se faire les cingues actuellement. S'il vous plaît. Merci. Très bien. Il veut le Dungeon Locator. Comment ça se fait que j'en ai deux? J'en ai deux. Je sais pas. Xames, merci pour le 7e mois d'abonnement Prime. Merci à toi.
Comment j'ai pu en avoir deux? J'arrive pas à savoir comment j'ai pu en avoir deux. Il y a forcément dû avoir un bug avec les... Bah non, je crois pas que je l'avais à ce moment-là. Parce que je sais qu'avec le portail de Targetcraft, on peut glitcher les items et les dupliquer comme ça. Si tu meurs. Je sais pas si une quête me l'a offert, honnêtement. Ouf. On va aller faire cette quête. Ok, on descend. Vous savez quoi, vous parlez de One Piece depuis tout à l'heure. Je pense que je vais me les mater après. Je vais regarder où j'en suis. Et je vais essayer de rattraper mon retard. Parce que c'est très souvent le midi que je me demande qu'est-ce que je vais regarder en mangeant. Alors là, je vais regarder One Piece maintenant. Ça marche, l'Edna. Bonne nuit, du coup. Dragonstone, Gaia. N2 en R. Resonating. Tu peux commencer One Piece en 2020. Oui, oui, absolument. Commencer One Piece à n'importe quel moment. Après, tu vas rester quelques mois à regarder les épisodes avant d'être à jour, je pense. Si tu regardes, on va dire 5 épisodes par jour, t'en as pour quelques mois. 5 épisodes, c'est pas mal en vrai par jour. Hein. Moltenos Glowglass. Oh, nice. Un truc dégueulasse. Ok. Glowglass. Il en veut combien? 3024. Calculatrice. À terre. Je faisais 10 épisodes par jour avant. Oh, j'en faisais bien plus. L'os Glowglass, ça va pas là-dedans. Nice. Tu veux le faire fondre comment ton os Glowglass? Tu vas me dire uniquement dans la cuve Tinker, t'es vraiment un sac. Un sac, je te dis. Ok, alors ça, c'est nope. Oh là 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 là. Ok, tank. Je me souviens qu'à une époque, One Piece... Je passais mes journées en fait à regarder ça. J'ai regardé tous les animés de One Piece 3 fois. Une fois tout seul, une fois avec mon ex, et une autre fois tout seul. Et le manga, je l'ai lu 2 fois. Enfin, les mangas, je les ai lus 2 fois. Mais là, j'ai pu récupérer quelques mangas, il y a un pote qui m'en a redonné. Mais avant, j'avais tous les mangas de One Piece. J'en ai plus un seul. Enfin, j'en ai plus un seul. J'en ai récupéré quelques-uns, mais... pas toute la collection. Nathan Slam, merci pour le 10e mois d'abonnement Prime. Merci à toi. Mais pour récupérer toute la collection de One Piece, ça va me coûter cher. Parce que pour retrouver tous les mangas en bon état, grâce au confinement, ça aide effectivement. Je peux dire quelques années avant, je regardais One Piece tous les ans en gros. Ah oui, effectivement, comment ça faire, ça m'a jamais dérangé de re-regarder One Piece encore et encore.
clac, clac. C'est là-dedans? Absolument pas. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Ça dit qu'on a terminé toute cette page. On a terminé à fond la page White Magic 2. Donc on va pouvoir faire clic. Comme ça, il y a plein d'items qui dégueulent partout. On aime bien. C'est quoi ces Ultimate Beans qui m'envoient en quantité astronomique là? Ça en fait des items, hein, dis donc. Ça, c'est fait. Alors, Black Magic. On va faire les petits trucs à deux balles. Ce qu'il faut les faire. Ça, ça va être un peu chiant à faire. Ça, ça va à la rigueur. Alors, si je fais ça. D'accord. Je savais pas que c'était un... Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok. Donc, Evil Dust. Iron Promise. Gold Plate. Et enfin, Crafting Table. Go, c'est parti. Wooden Exalted Crafter. C'est juste une table de craft, quoi. Ok. Ok, il n'y a rien d'autre qui s'allonge derrière en termes de quête, donc c'est bon. Est-ce que je peux faire ça d'un coup ou pas? Non. Il me faut des Dark Sticks. Il va nous falloir le bois... L'Undead Planks. Ok. Undead Log. Bon, on va aller planter ça dehors. Nice. Parfait. Qu'on fasse les planches. Ok, les sticks. Là, il va nous manquer du coup cette blood orb. Ok, il va nous falloir ça. Let's go. Oh, ça prend un peu de temps, mine de rien, ça. Ok, donc la blood orb se fait, il va nous falloir également la blood infuse core. Ok. J'aurais été capable de me faire ça maintenant. Voilà. Donc le key neticator. Je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est qu'est-ce que ça fait? Attirer les items. Ok, bon, enfin, de toute façon c'est un item qu'on servira pas. Hein. Salut Eko, t'as loupé les dernières dimensions qu'on devait créer. Elles sont créées maintenant. On est en train de récolter gentiment les blocs pour pouvoir faire nos dernières singularités. Et je pense même que si on veut,
On peut se faire une... On peut se les crafter ceux-là. Hein. Les bins de mécanisme, c'est pour stocker des items. C'est un peu comme des drawers. Ok, donc ça c'est fait, il n'y a plus qu'à faire ça. Oh, ça spawn des éclairs, ça. C'est pas mal. Ok, donc ça, il va falloir qu'on fasse ça dans le Elforge. Elforge, je l'ai pas ici. Est-ce que je l'ai là-dedans? Oui. Est-ce que j'ai gardé ça sur moi? Pas oui. Donc il va nous falloir deux buckets sugar. Yes, ça marche. Il veut le lava. On va lui donner le lava. Donc le lava se fait avec ce lave, coal, cobble, redstone. Et lava. Ça fonctionne, ça va être bon. Il veut la water sigil. Oh, il est pas chiant. Hein. Ok. Est-ce que tu veux les autres? Non, c'est bon, tu veux la lava sigil maintenant. Donc il va falloir qu'on lui donne un blank slate à chaque fois. C'est parti. On prend deux. Ah, ok. Ah oui, il faut qu'on utilise ça. Il est où? J'ai dû le ranger. Blood. Yes, faut qu'on utilise ça. Voilà. Non, le nouveau mode pack, je le... En fait, j'annonce jamais les nouveaux mode pack que je fais. Je le fais toujours en découverte en même temps que les viewers. Dylan Lombardo, merci pour ton sub, bienvenue. Merci beaucoup Dylan. Ça, c'est good. Du coup, il nous faut cette armure à deux balles. Qui est sort dans le Blasphemix Workshop. Il va nous falloir du méthane, donc deux. C'est parti. Là. Impeccable. Il va nous falloir du blank slate. Il va nous falloir stone tank et spike. Spike, il m'en reste, ouais. Ok. Oh ouais, j'ai fini les dimlets, ouais. Du coup, on a terminé toutes les quêtes de Black Magic. Tiens, un en tout cas. Il va nous rester le tier 2. Et le tier 2, ça va être chiant. Parce qu'on avait des choses un peu plus costauds à faire là-dedans. Tout ça, on l'avait terminé, hein, c'est bon. On va s'attaquer à ça. Mais avant de s'attaquer à ça, j'aimerais voir où ça en est, mes singularités. Là c'est compliqué. Alors du peu que j'ai pu voir, si je fais le mode pack que je veux faire, si j'en trouve pas un autre entre temps, parce que je vais quand même chercher, hein, y a pas Tinker sur le prochain pack que je veux faire. 4, 3 et 3, ok. J'ai combien d'infinity? Allez 3, je peux en faire 6. 6 au total, et il en veut combien pour sa quête? C'est 7, hein.
Ouais, 7. Ok, ça va attendre un peu. Hein. Allez, Black Magic. On va purger ça. On verra, je peux me TP comme ça, voilà, ça va un peu vite. Donc, Air Sigil, le plaisir. Purifieur. Ouh, sympa. Spike Plate. Ok. Je mets tout de côté. Hein. Blue Glamp. Blood Infuse. Oh. Iron Sword. On va commencer par ça, c'est chiant. Voilà, tu vas trop vite. On enlève ça. On va le remettre avec les casts. Full up cast sword. Blood Infuse. Il m'en faut 4. Donut Sunflower et la terre utérieure. Bah là, vu que je suis pas dehors, ça me sert à rien. S'il vous plaît, ça prend un peu de temps, ça, normalement. Bon, ça prend pas autant de temps, normalement. Quand je vais aller dans la Twilight, tu vas voir qu'ils l'auront terminé, ce craft. C'est pas là, non, c'est là-bas. C'est pour ça que ça marche pas très bien. Je crois que l'Undertale, je l'ai mis là. Hein. Yes. Boom. Done. Fixe. Et là. Voilà, je les récupère. Très bien. Blood Infuse 4. Ok, donc il va me le faire gentiment. Pendant qu'il va me le faire, je continue de regarder ce qu'il faut que je craft. Ça, c'est bon. Displacement Room, je l'ai pas noté. Et enfin, ça. Ok. Essayons de faire les plus simples. Voilà, ça c'est déjà terminé. Est-ce que ça on peut le faire? Imbued 4, c'est parti. Bonsoir Dark Ertis. Bah écoute, ça va très bien. Ce soir, ça va plutôt bien. On avance sur les quêtes du mode pack parce qu'on a quasiment terminé le pack, hein, justement. C'est quoi cette saloperie? Ok. Gold, lapis, redstone, glace. Redstone. Calme-toi la quête. Will. Allez, on va en faire quelques-uns. On va en faire 4, comme ça on sera peinard. En tout cas, le Large Bloodstone Tile, c'est terminé comme quête.
j'ai maintenant. Donc si je reprends ça, il veut juste une orbe classique. La wick, elle marche la wick. Okay. Nice, tac, et du coup, water. 3. Voilà. Terminé? Dis-moi que t'en voulais pas plus. Oui, c'est bon. Il veut la magicienne orb. Tiens. Oh, faut refaire ça. Hier, je crois même pas l'avoir fait ça. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'on avait trouvé une alternative beaucoup plus puissante pour récupérer du sang. Donc, ça c'est une alternative. Enfin, là, ce qu'il va essayer de nous faire crafter, c'est ce qui va nous permettre de faire des rituels. Donc, il nous faut tous les Elemental Inscription. Ok. Enfin, qu'on aille dans la Twilight pour ça. Je vais d'abord voir si l'épée est faite. Yes. Direction la Twilight. Ok, là-bas. Tu glitch. Enfin, je vais ici instinctivement. Et si ça se trouve, les crafts, c'est pas les mêmes. Ah, si, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je viens de rafraîchir ma page Twitch et la police d'écriture a changé. Ah! Je vais faire le Dusk aussi. Donc il va nous falloir un Block of Coal. Hein. Ok, il va nous falloir la pisse. Je vais avoir besoin de ça d'ailleurs, dégage. Ah, il va nous falloir Magma Cream. Obsidienne. Je vais en crafter plusieurs parce que je crois qu'il me le dégage à chaque fois de l'inventaire. Ouais, il me le dégage à chaque fois de l'inventaire. Faudrait que je retire ce truc là. Et Ghast. C'est parti. Easy. Et le rituel Divainer. Ok. Est-ce que je peux les mettre dans n'importe quel sens? Non! Ça devrait. Rouge, vert, bleu, jaune. Rouge, vert, bleu, jaune. Ok. Delta tier 4, très bien. Là il veut master rituel. Donc il veut voir ça. Rituel stone. Et weak activation. Est-ce que je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait le weak activation. Weak activation. Donc c'est avec un lava cristal. Nice, ça c'est fait. Retournons à la base. Ritual Stone, est-ce que j'en ai? Ritual Stone, j'en ai qu'un seul. Non, c'est l'Imperfected. Pas celui-ci qui m'intéresse. Ok. Donc ça va être plein de Reinforced Slate. Avec du 1 fois obsidienne, 1 fois compressé de cobblestone. C'est pas mal ça. Et par contre, il nous faut le lava cristal. Je vais lui apprendre parce que je crois qu'il connaît pas. Il connaît pas le lava cristal. On va lui apprendre gentiment, mais sûrement. Voilà. Ok. Trois.
Ah, ça se stack pas. Cool. Ah, juste un seul, c'était suffisant. Ok. Donc il veut 16 Ritual Stone, donc il faut encore faire une fois le craft. Voilà. Il me l'a compté. Et du coup, la Master. Renforced, Imbued. Ça va se faire rapidement. Est-ce que j'en ai encore? Oh que oui. C'est pas de problème ça. Stone brick. Et enfin large. Tac 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 brick. C'est bon? Parfait. Il veut la master. Good. Et là, il y a d'autres trucs dégueulasses. Demonic Slate. J'en ai un. Ok. Elemental Extraction Tool Dusk. Ok, donc il me refaut du coal. Dusk. On reprend celui-là. On range ça. On retourne dans la Twilight Forest. Là, c'est vraiment du rush de quête. Hein. Et on n'a plus rien à faire du jeu. On rush à la salle. Ok. Et du coup celui-ci. Ok. Et du coup il me faut un démonique. Ça va se faire vite. Voilà. Boum. Ça, c'est fait. Il va vouloir le Ritual Tinker. Deux démoniques encore. Ok. Ouais, les fusil cartes, c'est pour les items avec durabilité. Hein. Orb. Magicienne. Non. Master. Oui. Je pense l'avoir finir avant 100 jours. Ouais. Je pense, hein, après, pas certain. Voilà, toute une explication. Le téléposeur et le renforcé téléposition focus, ça permet de déplacer, je crois, des blocs. Et également des spawners ou des conneries comme ça. C'est assez puissant ça comme item. Hein. Il en veut deux, et ça il en veut qu'un, mais du coup faudra qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Ok, perle. J'avais joué un petit peu avec ça, avec les téléposeurs de Blood Magic en 1.7. Ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi que je suis incapable de le refaire correctement, pour vous montrer. Du coup, Gold Plate. On va lui en demander, oh, j'en ai plusieurs, donc très bien. Platinum. On pouvait déplacer les nodes, ouais.
C'est comme ça qu'on déplaçait d'ailleurs les grosses nodes. Je sais plus comment j'avais fait. Non, sur Awakening, j'utilisais un autre item. Mais oui, à l'époque, c'est comme ça qu'on déplaçait tout ça. La bonne époque. Ça donne presque envie de refaire du Tomcraft à cette époque-là. Ah, oh, il faut que je refasse ces conneries. Quoi d'autre? Tritonite. Ok, on va lui apprendre le bloc. Très bien. On veut deux. Thunder Pearl, 1, 2, 3, 4. Et on est bon pour crafter ça. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, rune of augmented capacity. On a pas l'air de rigoler avec ces runes là, la vache. Il va nous falloir des runes of capacity. Il va nous falloir des imbued slate. Ou tank. Ok. But slate, ça m'en donne combien? Ça m'en donne 2, il m'en faut 2 par craft et il en veut combien? Il en veut qu'un, ok, j'ai juste à le faire qu'une fois. Oui Badano, j'ai trouvé toutes les dimlettes. Je les ai trouvées hors stream. J'ai trouvé la dimlette de quartz parfaite. En 3 heures de temps. Et j'ai trouvé les deux autres très rapidement. J'en ai juste besoin d'un. Ok, là c'est Iron Promise. Et du coup, là actuellement, on est en train de farmer les singularités. Alors, Dark Ertis, ça dépendra de ce que va me demander le modpack. Si le modpack me demande pas forcément. Attends, fais voir, je peux le faire ça. Si le modpack me demande pas forcément en fin de compte de faire les crafts créatifs, on va peut-être pas s'embêter à les faire. Mais me connaissant, je pense que je vais tenter de les faire. Vu que là, l'objectif c'est d'avoir le Creative Vending Upgrade. Une fois qu'on l'a, tout sera facile. Tout sera facile. Démonique. Parce que quand je fais un pack, généralement j'essaye de faire toutes les quêtes demandées. Hein. Tu me diras, je pourrais prendre un bloc là et le casser. On ira plus vite. Et enfin, au-dessus, ça va être l'ovium. Je connais pas le bloc d'ovium, très bien. Non, je finis pas le modpack ce soir, non. Soit lundi, soit vendredi prochain, je pense. À mon avis, hein. Après, c'est peut-être. Rune of augmented capacity, ça permet d'avoir plus de stockage de sang dans le bout d'altar. Celui-ci, en tout cas. Ouf. Ok. Donc, il faut faire celui-là. Pour l'avoir, il va nous falloir un démonique. On en a un. Il va falloir que je récupère un bamboud. C'est Arcane H. Et qu'on fasse le Lightning Region. Ok.
Il a pas l'air d'être si simple à avoir celui-là. Obtain through a tedious process. First place a water source block in the world, then drop a binding region. A glowstone. Binding region, ok. Faut dropper ça. Glowstone block. Block of gold, block of redstone. Voyons. Block of iron et gunpowder. Il faut qu'on fasse ça déjà. J'ai gardé le wheel ici, j'en ai 947 et il en faut minimum 400, donc c'est bon. Il va me falloir platinium, prométhium. Gold et blaze. J'ai tout, impeccable. Salutations Shadow Nova. Non, j'avais pas prévu de faire les dimlettes hein, de base. Hein. Ok, donc il va falloir qu'on mette de l'eau ici. Water. Z, hit the water block with all the items in with lightning. Ah, on va peut-être faire ça à l'extérieur du coup. Ok. Premièrement, on va désactiver le magnet. Water. Light, blood. Non, c'est Evilcraft. C'est celui-là. Hein. Ah, en fait, ça invoque un éclair. De quoi je l'ai déjà? Ça là? Ouais, c'est ce que je m'étais dit avec le rituel de la nuit. Ça paraît compliqué ça. Faut qu'il y ait un orage qui tombe dessus. On va essayer. Ok, par contre, il va falloir que je mette ça sous l'eau. Ah non, je peux juste mettre ça au-dessus en fait. C'est vrai qu'il y a des rituels avec... Allez, juste de l'eau. Donc si je fais ça, je peux balancer l'éclair là. Ok. Voyons voir si ça marche. Il faut balancer ça, 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 ça et ça. Non, c'est pas un vrai éclair, hein. C'est un faux éclair ce truc là. Hein. Ok.
Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen d'envoyer des éclairs. Je peux regarder Thunder, ouais. Bah, il y a ça. Ça de Botania, Thunder Color. Voir le Thunder Color. Il va être chiant à faire celui-là, je suppose. Ça va. Peut-être un outil Tinker, mais je sais pas lesquels font éclair actuellement. Là, je vais m'occuper de celui-là déjà. Terra Steel. Twig, méthane. Ok, ça c'est fait. Et du coup, on utilise ça. Et mana, on va prendre la Band of Mana, on va récupérer un peu de mana sur soi. Dans la Twilight. Non, on n'est pas dans la bonne version pour avoir le trident. Utiliser la wand. Oui, il y a un éclair quand on ouvre le portail de la toilette, mais c'est pas un vrai éclair en fait. Pas l'impression que ça balance des éclairs ce truc là. Si je tape Rod. Un nouveau repose poignet. Ben, bravo. Non, il y a pas cyclique. Quoique si, il y a cyclique. Frostbinder. C'est lequel Lightning Rod? Ah, j'avais tapé le Lightning, mais je sais pas s'ils l'ont. Peut-être enlevé. Je le vois pas là. Hein. Oh. Ah là, c'est plus un repose-poignet là. Spector, player launcher, torch launcher. C'est à ça, hein. Il l'a enlevé. Il l'a enlevé du pack. Ok, donc faut qu'on trouve un moyen de récupérer un éclair quand même. Ionite. On va essayer ça. Est-ce que j'ai tout là-bas? Non, j'ai pas tout. Tool station. Il nous faut ça. Qu'il nous faut.
Par build, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Sword. J'ai pas le knife. Yeah. Du coup, shuriken. Tiens. Ok, des orages qui tombent à ce niveau. Ok, ça fait... Il y a tout le temps des orages qui tombent. On va aller regarder ça, si ça marche. On va remonter. J'ai peur que ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. La baguette. C'est pour invoquer un orage, pas pour faire tomber un éclair. Oh, la baise. Regarde, ils sont un peu bas. On tente là. Allez, vas-y, l'orage, tombe dessus. Oh, on l'a eu. Ok. Bah très bien, ça a marché. Nice. Plus qu'à ranger ça. Et à utiliser ça maintenant. C'est parti. Bim et bim. Whip. Whip. Work in progress. Bim. D'ailleurs... Petite parenthèse, le truc où il y a marqué whip sur le sol, ça je peux le modifier avec un texture pack. Il faut que je regarde si je peux avoir des customs. Pour en avoir des customs sur la Monster Edition, ça pourrait être chouette. Ok, il veut quoi? 4 beacons, blanc rune 52. Heureusement que j'en ai un. Hein. Par contre les beacons, j'ai écrit beacon comme un sac. Hein. Ouais non j'en ai pas, on va aller les chercher. Ça marche, merci de passer l'esqueti. Grâce aux zombies, ouais. Donc on va récupérer... Ok, donc là il va vouloir Archmage Blood Orb. Je crois que c'est celle qu'il y a justement là. Ok. Crystal Cluster. Oh. Je sais pas si j'en ai. Non, j'en ai pas. Si je fais ça, il va rien me donner. Hein. Ah, j'ai quelques trucs quand même. Donc, ancien bloc, on les a déjà. Il va me faire des Majestic Catalyst. Il y en a une dizaine. Adamant, on en a plein. Il va me falloir Iridium. Iridium. Ok, Emradic. Fais-en plein. Bon, il va mettre un peu de temps pour les faire cela. Nether Star, on en a. Démonique, on en a. Plus qu'à attendre ça, puis on est bon. J'ai quand même 4 dimètres de bloc of Emerald. Hein. C'est stupide. Salut Expert Burn.
Tu dis quoi les singularités? On les a tous. Il faut juste attendre maintenant d'en avoir suffisamment. Crystal cluster. Hop, j'en ai un. Nice. Ah, c'est vrai que ce truc là il est pété. Ce truc là il est super stylé. Ok, on verra après ça là-haut. Ethereal Slate. Je ferme Orcam, ouais. Ouais, je ferme quelques heures Orcam. En 3 heures, j'ai récupéré la dimlette de Quartz. J'étais en vocal en plus avec Alps à ce moment-là quand je l'ai eu. Et juste avant de lancer le stream, enfin pas pile poil avant, mais dans l'après-midi, j'ai farmé encore un petit peu. Et j'ai trouvé les deux dernières qui me manquaient assez rapidement. Tant mieux. Normalement, le Crystal Cluster, s'il est là, c'est qu'on peut faire le tier 6. Hein, mais je l'ai jamais installé. Normalement, c'était ça le tier 6. Je sais pas si on nous demandera de l'installer d'ailleurs. Ok. Je te l'ai pas dit à toi. J'en ai jamais crafté, j'avais jamais fait de filtre avec ça. Non, en fait, l'avantage qu'on a sur ce modpack, c'est que pour avoir les slates différentes, t'es pas obligé de passer par la blank slate pour avoir la renforcée, pour avoir l'autre, etc., etc. Pour avoir cette slate, je suis obligé d'avoir le bloc, en fin de compte, du slate précédent. Et pour avoir le slate précédent, je suis obligé d'avoir le bloc du slate précédent, etc., etc. Donc tu peux automatiser très facilement comme ça. Et ça c'est cool. Donc ça c'est fait, il va nous falloir le Blood Diamond. Donc pareil, il va me falloir beaucoup de will, donc je vais devoir aller farmer du will. Je pense qu'on va faire ces conneries là avant. Crash PC? Non. Vous me voyez toujours? Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, je me vois en déconnecté. Ça y est, refresh. C'est bon, ça marche? Ok. Timeout, connexion lost. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû avoir une micro coupure internet. Parce que moi, de mon côté, ça a pas coupé le stream en fait. Ça a coupé le stream, alors attends, fais voir. Bizarre ça. Moi je me vois en ligne, actuellement. Par contre, ouais, effectivement, il a relancé le stream. Oh, ça va être une merde pour la rediff, ça encore. Je déteste ça. Effectivement, je vois qu'ils ont changé la police d'écriture. Donc oui, il y a dû avoir une coupure de live. Super. Je regarderai sur les rediffs comment ça se passe. Oui, du coup, j'ai reçu ton subprime Irix. Et du coup, je vois pas ton message. Attends. Voilà, apparemment, je suis connecté. Hein. Ah.
Non, c'est pas Twitch qui déraille, c'est ma connexion internet. Hein. Pour X raisons, j'ai perdu énormément de... Enfin, j'avais plus rien. Mais je... En fait, c'est des micro coupures. Tellement micro que je les vois pas. Par contre, malheureusement, je vais devoir kill le serveur. C'est nice parce qu'il me considère connecté dessus. Je sais pas si je peux me kick. Lâche-toi. Hop, hop. On considère toujours dessus, ok, faut que je coupe. Le serveur, nice. Merci Flame Phoenix pour le 7e mois d'abonnement niveau 2. Bonsoir d'un homme de l'ombre, bonsoir à toi Flame Phoenix. Être chez Free Orange ça change rien, c'est juste que j'ai une connexion de merde. Point. Je suis en VDSL, la VDSL ça a jamais été stable. Putain, et puis ça recoupe encore. Hein. On me voit toujours. J'ai cru que ça a recoupé encore. Ah putain. Ça va être une merde ça au montage. Oui, Diex, YouTube, merci pour 4 mois d'abonnement Prime. Salut Mod, comment vas-tu? Mod? Mod? Moi? Ah mais c'est pas grave, ça va être une soirée de merde et puis c'est tout. Hein. Normalement quand ton stream il coupe comme ça, tu perds énormément d'audience, c'est nice. Donc c'est une soirée foutue à la poubelle, hein. J'adore. Merci Rix. Heureux. Du coup j'ai coupé entièrement OBS et j'ai relancé hein. Parce que c'est OBS qui me faisait de la merde. Enfin OBS c'est ma connexion j'ai l'impression. Enfin, après je dis ça, ça se trouve ça va replanter hein. Je sais pas, on verra. En tout cas, merci Anonymous pour les 200 bits, je ne sais pas qui tu es mais merci à toi. Ok, je suis reconnecté. Je me suis téléporté, je sais plus où on en était. Alors par contre, vous attendez pas à voir la rediff de live avant un moment, parce que je vais devoir télécharger tout ce qui s'est fait, que je les recolle ensemble, et que je fasse un encodage qui va me prendre du temps, et pour pouvoir réuploader ça avec ma connexion de merde. La rediff de live de DDSS, ce sera peut-être pas avant la semaine prochaine. Hein. Peut-être les nouveaux voisins, ils sont juste au-dessus de moi, donc bon. Je pense pas. Du coup, on en était où? Oui, on avait dit qu'on ferait ces conneries là. Parce qu'on avait fait toutes ces parties là. Du coup, je suis tout le temps en train de regarder ma connexion. Hein. Ça va me bouffer jusqu'à ce qu'on termine le stream, ça. Ça a l'air d'être bon. On va faire les sigils qui nous manquent. Ok. Eh ben on va en avoir des conneries à faire. Hein. Donc pour avoir l'air sigil, il va nous falloir du Blood Lamp. Non, c'est celui-là que je veux. Il va nous falloir du Air Regent. Et pour l'avoir, il va falloir du Compressed Air. Est-ce que j'en ai? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? D'où t'as popé? T'as popé de là-bas? Je sais pas d'où il a popé, mais il a popé de quelque part.
pas grave, prends ton temps. Ouais, non, mais c'est pas le problème de prendre mon temps. Vous êtes pas dans le même... Vous êtes pas dans la même situation que moi, en fait. C'est ça, le problème. Moi, tu vois, là, c'est comme si... Comme si j'étais payé à l'heure au travail, mais que pendant une heure, je pouvais pas bosser. Du coup, je suis pas payé cette heure-là. Le fait de pas pouvoir streamer, bah... Je suis pas payé. Grosso merdo, c'est ça. Ensuite, compresser R. Si j'en ai plein, ok, ok, c'est good, ça. Tiens. Et il va m'en falloir deux pour ça. Et on fait deux direct. Ok, tiens. Ok. Ça, ça gicle. Du coup, du tribérium. Je sais pas du tout ce que ça va donner sur la rediff. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Dans ce genre de cas où je me dis que finalement, je me prends la tête à chaque fois à faire des rediffs, c'est peut-être pas le bon plan. Hein. Supremium. Superium. Non, c'est pas ça, Abecorp. Ce que je veux dire, c'est que quand mon stream se coupe comme ça, je perds de l'audience. Là, j'ai perdu la moitié de l'audience à cause des problèmes de connexion que je viens d'avoir. Il y a la moitié des personnes qui étaient là qui sont parties. La moitié sur 400, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors on dit qu'on n'est pas censé regarder les chiffres, etc. Et le problème, c'est que moi, dans mon cas, vu que c'est mon taf, je suis obligé de regarder. S'il y a moins de personnes qui regardent, c'est moins mis en avant sur Twitch, c'est moins recommandé, donc il y a moins de personnes qui peuvent découvrir, donc il y a moins de potentiel d'autres abonnés, si vous voulez. Des personnes qui veulent soutenir et qui aiment ce que je fais. Du coup, quand t'as des coupures comme ça, bah ça te coupe l'herbe sous le pied, quoi. Du coup, Iron, c'est pas une question de vous dire « Ah, vous donnez plus, nanana ». Non, ça c'est... Faites ce que vous voulez, ça. Moi, je vois plus dans... Faire partager ce que je fais et qu'il y ait d'autres personnes qui découvrent. C'est surtout ça le truc. C'est deux, je crois. Hein. Non, un seul. Et un Majestic Dust. Ok, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir du Dark Magic. Ok. Ah, la tempête. Mais il n'y a pas de tempête chez moi. Merci Electric pour ton sub, bienvenue. Et merci à toi Electric pour t'aider, bah merci, c'est très gentil. Oh, t'étais pas obligé hein. Mais merci, c'est très gentil en tout cas. Ok, clac, 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 ok. Ouais voilà ABK, c'est pour ça que ça... Ça me fait chier. On va pas se mentir, ça me fait chier. Alors... On va devoir faire cela. 300. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Redstone, Torch et Glowstone. Ils en plein, à chaque fois je le trouve pas. Je sais pas si elle était dans un jeu vidéo cette musique. Allez, good. On en fait deux. C'est suffisant, hein. Ouais, deux, c'est suffisant. On en a deux. Mm-hmm. Est-ce que je peux dégager ça? Allez, Fender. Deux. Osram. Une essence. Ça vire. Il va nous manquer quoi? Une biode.
Ça c'est fait. Ok, on a les autres choses là où à faire. Salut Captain Figgy Pop. Petit tube. Merci pour les 1500 bits. Merci beaucoup. C'est très généreux. Ça débloque bah, les deux autres trucs là-haut. Il faut qu'on fasse ça et vengeance essence. Ah, on va pouvoir tuer des vengeances machin. Ok. Et ça, lightning grenade. Ah. C'est ce qu'on avait vu ça, pour envoyer des éclairs. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on fasse ça pour pouvoir faire le truc plus facilement. Qui était où d'ailleurs? Là. Bon. On va voir du coup. Donc gold, gold. On a que dalle. L'under chest. Ok. Compressed eye offender. Bonsoir Yankle. Bonsoir à toi. Donc l'Under Chest c'est good. Il va falloir du Dark Power Gem. Et le Gold. C'est le Gold qu'on a besoin. Oui. Ça j'en ai pas besoin. Ça j'ai pas besoin. Ça marche Pixie. Bonne rediff la semaine prochaine du coup. Et prudentieux. Comment je vais Captain Philippe Pop? Ça allait pas très très bien avant de lancer le stream. Je suis dans une période où c'est un peu mou là. Avec ce qui vient de se passer ce soir à cause de ma connexion, c'est pas mieux. On fait ce qu'on peut. Allumite. On va prendre le bloc. Ah, l'allumateur, ouais, c'est long à faire. Et là on est en train de claquer les quêtes du livre de quêtes. Parce qu'on a terminé ce qu'on devait récupérer de chiant. Et donc on fait ça pour qu'on puisse farmer les singularités entre temps. C'est William. C'est Smash Pierre le Gommet. Merci d'être passé du coup une bonne nuit. Voilà, 4. Blood. Est-ce que je l'ai en autocraft ce truc là? Ouais. En faut le monsieur. 2, 2, 2. 2, c'est bon. Magic Powder. Ça va que j'en ai récupéré ça parce que ça je le farme pas. Hein. Et oh, ça se craft, tu me diras. Ça va. Elite. Oh, je l'ai pas lui. Ok. La quête de l'Infinity Catalyst avant ce soir, peut-être, ouais. Peut-être. Non, c'est Black Iron. Et Dark Gem. Ah, il manque l'ancien boss. Merci Captain, Piggy Pop. Ça, ça se fait en 2-2. Voilà. Merci. Ok, on débloque d'autres choses là-haut. Potentia Sphere.
Et un Ball of Promises force 1. Oh, il va encore m'embêter avec ça. Oh, il est chiant. Luminescence, Dark Power. Dark Power Gem. Ça marche bonne nuit, Embryo. Merci d'être passé. Et merci d'avoir modéré. Luminescence. On fasse tous les trucs chiants qu'on a déjà fait. Aïe aïe aïe. Bon, on va essayer de faire ça. Au moins. Tiens. Et du coup, lui, il va devoir virer. Hein, parce que le promis. J'ai le tir 1, j'ai le tir 2. Il va me falloir les bols là. Pour avoir le tir 1, non, strength 0, strength 1, je suis obligé d'avoir ça en fait. Hein. Boom. Ok, ça c'est fait. Vengeance focus, go. Et Poped, j'en ai pas. Ouh, j'en ai pas apparemment. Chorus. J'en ai, donc ça va partir au four, ça. Voilà. Donc. Ok. Right click to enable Vengeance Spirit Killing Beam. Ok. Donc, il va falloir qu'on tue du mob pour qu'on puisse en trouver de ça. On va pouvoir les voir avec normalement les hitbox. Ça, il va me le compter parce que je l'ai sur moi. Hein. Voilà, merci. Productivity, j'en ai. C'est nice. La blue de machin, je l'ai, tiens, voilà. Merci. Ensuite il veut le Daemon. C'est vrai que ce genre de choses je les ai. Ok. Et là il veut le Force 2. Donc il va falloir que je dégage ça. Je mets ça à la place. Qu'on fasse un bol. Oh, il me l'a mis derrière, quel sac. Et tiens, t'as ce qu'il te faut en 100 ou pas? 5000, ouais, c'est bon. Ça, y a pas besoin, ça non plus. Ça, on verra après. Ouais, ça claque des quêtes, ouais. Avoir le tour à la fin du modpack, oui, avec la map en téléchargement. Skill of Haste, on verra après, je pense, ça. Et après, il va me demander le Tenacity 3. Le problème c'est que pour l'avoir je vais être obligé de casser ce truc là. Je vais perdre beaucoup de sang mais c'est pas grave, je vais en avoir à l'infini de toute façon. Enfin j'en ai à l'infini du sang donc c'est pas grave. Graveyard Soil, ah tiens voilà. Il nous proposait de le faire ce truc là. Allez donne moi ça. C'est précis là. Et c'est le Pentium. Donc on range. Ça on a plus besoin. Je vais aller tuer du mob. Est-ce que j'ai du mob là-dedans que je peux tuer? Je vais aller choper un mob dehors. Fait jour. J'aimerais qu'il fasse nuit. Thank you.
Merci. Donc, on aimerait bien choper un petit zombie, là. Si on peut. On a du squelette, là. On a toujours du squelette, là. Creeper, on va éviter, hein. Ils sont où, les zombies, là? Il n'y a que du squelette, c'est terrible, ici, hein. Un bébé zombie. Par contre, ça, bébé zombie, c'est non. Hein. Qu'est-ce que t'as là-dedans? T'as du colorant? Ah, c'est du colorant. Ok. Un husk. Ça fait le taf. Donc, si je fais F3B, je vais voir les hitbox. Il y a un mob là-dedans. Ils sont tous morts et on voit qu'il y a encore des hitbox qui tiennent, donc ça c'est les spirits. Peut-être l'arrêter du coup. Comment je les tue, ces trucs là? Ah, ça y est. Ok. Nice. Bah, j'ai quand même besoin de lightbox parce que je les vois pas, hein, sinon. Hein. Je vois pas où ils sont, en fait. Là, y'en a plus. Ok. C'est peut-être un autre item, ouais. On a récupéré du will, on pourra s'en servir. On a récupéré le vengeance essence, c'est ce qu'on voulait. Ok, nice. Je vais peut-être le ranger là, celui-là. Le will, on va le récupérer là. Vas-y, récupère-le. Merci. Quoi ça va me servir, ça? Matérialiser de vengeance essence. Ah ouais, pour avoir un spawn changer, c'est assez bâtard. Hein. C'est assez bâtard. Et on a encore plein d'autres trucs à faire ici, dis donc. Eh ben. Du coup, faut que je récupère ça. On va le récupérer rapidement avec ce qu'on a là-bas. 3B. Ah, bonne nuit, Bakaneko. J'ai perdu beaucoup de sang, mais c'est pas grave, j'en ai à l'infini. Hein. Colossal blue chest et reinforced undead planks. Ok, il y a des choses que je connais pas là. Donc il va falloir que je farme un peu plus de bois. Ça, je pense qu'on le fera plus tard parce que c'est chiant. Wither squelette. Il en faut un de plus, hein. Ça c'est fait, et là-haut le graveyard soil, on va le faire. Alors l'électrique, faudra être un peu plus précis sur ce que tu demandes, puisque je sais pas de quoi tu parles. Alors, Diamond Spike. Ah, c'est Willcraft. Blood et Majestic. Singularité, en effet. J'ai toutes les dimensions. C'est en train de farmer maintenant. Faut juste être patient.
Après le Graveyard Soil, on va... Alors, Lightning and the Thunder, ça va être chiant à faire. Ça, on vient de le voir comment on faisait. Ça va se faire rapidement. The weather is mine. Ok. Donc ça, on a dit qu'on verrait après. On va peut-être faire ça après. Ah, ça par contre c'est Twitch pour le coup, parce que moi j'ai pas eu de problème. Hein. Je sais pas Célia, on n'a pas regardé. Donc on fait ça. Il y a tout dedans normalement. Clac, clac, clac. Voilà. Ça se met en auto le 720-60. C'est un peu relou, effectivement. Hein. Ok, et après, c'était cette machine-là. Ça se fait normalement. J'en ai plein de ces trucs-là. Ça se craft ça? Non, ça se trouve. Ça va que je l'ai trouvé. Il en faut un, potentiel sphère. J'en ai deux, très bien. Dark gem. Ah. Dark power gem. Avec blood infuse. Ok. Dark magic. Vanadium Refined Glowstone. Si, il y a eu des hématomies ce soir. Hein. Ok. Sanguinary Environmental Accumulator. C'est ce truc là qu'il faut. Et du coup ça j'en aurais besoin pour faire ça. Soit je le fais là-dedans, soit je le fais dans ce que j'ai ici. Hein.